Salut à tous les amis, on se retrouve pour ce second épisode de Resident Evil Revelations. Et on attaque sans plus tarder. J'espère que le premier épisode vous a plu. On va continuer ensemble l'aventure. Alors, vérification des contenus, ouais. Épisode 1, machin, campagne. Continuer. Donc ouais, on avait fait l'épisode du bateau, on s'était retrouvé sur la plage pour analyser des bestioles, dont certaines étaient encore vivantes. Et qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, on revient sur le bateau. Okay. J'espère que non. Hey, je suis sûr que Chris est en vie. Dans ce cas, dépêchons-nous de le trouver. Alors. Bien, donc de retour sur le bateau. Qu'est-ce que c'était? Je vais vérifier. Je vais vérifier, bah évidemment. Ok, je t'appelle si je retrouve la trace de Chris. Il va pas se réveiller, lui. Y a pas de bonne façon de mourir, hein. Surtout en cas d'invasion de zombies. Qu'est-ce que c'est? C'est parti. Oh, 30 points. Cette chose ressemble beaucoup au cadavre échoué sur la plage. Donc oui, vous avez vu, hein, celui-là est plus orienté arcade. Hein. C'est déjà moins galère pour se déplacer. C'est moins galère pour se déplacer. Alors, faut que je retourne là-bas. Non, bah, ça m'étonnerait qu'ils aient remis quelque chose depuis la dernière fois. Alors, pom 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 pom. C'était peut-être pas par là qu'il faut que j'aille. Mais dans le doute. Ouais. Certes, certes. Non, je vais retourner là où j'étais. Hop. Donc, on n'a rien neuf. Est-ce que je peux analyser d'autres choses ici? Ah, ah, ah. Objet. Nice. Munition. Toujours servir. Alors, pom pom pom. On va pas analyser ça. Ah d'accord. Il y a des objets partout en fait. Heureusement que. On a déjà fait ça. Ça c'est bon. Pas d'objet en plus. Bon, on va récupérer notre butin. Munition encore. Eh bah tiens. Yeah. Encore? Je suis full. Okay. Alors, cette porte. C'est malin, maintenant je vais m'arrêter toutes les deux minutes pour analyser le terrain. Une porte. A dining room. Est-ce que c'est ouvert? Oh! Chris! Chris! Allez, dis quelque chose! Quelque chose! Bah, si c'est lui, il doit Chris, être en train de pioncer. Tu peux le faire sortir? Non, la porte est bloquée. Il me faut la clé. Évidemment! On va la trouver. La clé qui est à l'autre bout du bateau. Où il faut deux cartes magnétiques pour ouvrir. Avec des zombies au fion. Bon, alors. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je vais aller en haut. Ah, hé hé. Merci.
Mortel. On va. C'était quoi ça? Ah d'accord. Avec l'orage. Ah, filez-moi des trucs que je n'ai pas. Ce sera toujours mieux. Voilà. Encore des munitions de flingue, j'imagine. Ah, ça j'ai pas. Mais je fais comment pour y accéder? On peut pas s'accroupir dans le jeu, ça c'est pourquoi. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça. Génial. Déjà ramasser ça. Ah mince alors. Oh. On semblait entendre quelque chose. Qui a semblé m'entendre? Qu'est-ce que c'est encore? Alors, quelqu'un. Super. Super, super, super. Salut. Les bons comptes font les bons cadavres. Tiens, c'est quoi ça? Encore? Mais non, c'est bon. C'est bon. Ah tiens. Voilà. Alors, donc là, on a dit que qu'on n'avait rien dit. Bien, bien, bien. Rien d'autre. Un deuxième au cas où. Pour la route. What? Ah. Merci. Non, merci. Ouais. C'est bon. Ah. J'ai cru pouvoir prendre quelque chose. Il n'y a pas un boîtier de fusible. Bah dis donc. Ils sont tous partis avec leurs fringues. Et avec leurs flingues. Alors. Donc là, ça. Ouais, là on arrive ici. Quoi? Ah oui, c'est une munition. Mais... Pam 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 pam, là il faut une clé aussi. Ouais. Une clé en forme d'encre. Ou une encre en forme de clé. Ah 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 ah! Encore des munitions de flingue, j'imagine. J'imagine. Et j'imagine que je vais avancer. Là, il faut une clé aussi. Ah! Bon, on est où?
Oh, ça va, hein. Que se passe-t-il? Ah, j'arrive. Non, je vais rester là. Bien, bien, bien. Ok. Bien sûr, là c'est ouvert. Il va y avoir de la baston. Allez, bon app. Est-ce que j'ai des greux? Non. Stay down. Tango down. Et c'est bon. J'ai trouvé une survivante, mais les armes biologiques l'ont eu. À l'époque un peu. C'est justement ce que j'essaie de découvrir. Et... bon. Non, non, il avait un autre là-bas, ouais. Okidoki. Hop là, bien. Alors, ça doit être la clé. Ça doit être la clé. Parker, j'ai rien trouvé sur cette femme, mais j'ai récupéré une clé. Yeah. On n'a rien à perdre à essayer. Bah dis donc, dans celui-là, les munitions sont pas un problème. C'est ça qui est cool. Allez. Ouais. Fous-moi le... Dégage! Non mais... Hey! Nice. Il y en a un autre qui veut se faire descendre. Bon. J'insiste pas. Hey hey! Hello? Je prends pas. What? Ah bah bien. C'est ridicule. Ils sortent des lave-linges. Ah, retourne-y. C'est pas moi qui t'y mettrais. Oh. Non, je suis fou là. Il y en a encore deux qui tournent ici. Avec des monstres dedans. Donc ça, oui, ça, non. Non, un spot à analyser. Ah. Ok. Munition. Techniquement, je pouvais aller nulle part en fait. Ah oui, mais non. Il y a une autre porte qu'on pouvait ouvrir avec la clé. Ah, c'est vrai que je ne suis pas allé. Je suis. Qu'est-ce que je peux? Fini, oui. Breaking. Donc apparemment une fois qu'on est à 100% de scan, on gagne quelque chose.
Mais je ne me souviens plus de quoi. Bon, je regarde. Ah. Les copains. En tout cas, il est... Enfin, déjà, ne serait-ce que pour le début, il est beaucoup moins stressant que les autres, résidents. Et moi, j'apprécie. Parce que je suis là pour me détendre. C'est comme une buse. Tombe. Tombe, 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 la neige. Ah. Voilà, merci. Et c'est bien. C'est bien. On va voir ce qui se passe en bas. J'imagine que je peux toujours pas ouvrir la porte. Dans laquelle... Enfin, derrière laquelle est enfermé Chris. Bon, ça m'ennuie ça qu'on peut pas. On peut pas faire des petits sprints, ça irait plus vite. Non, attends pas. Vas-y. Ah bah d'accord. Pas sauter là. Oui, c'est un cul-de-sac, mais ça prend rien de sauter quoi. C'est tu vas pas. Quoique. Bon, j'ai rien ici. Donc je vais essayer d'ouvrir la porte. La porte. Hey. Vite, on doit aider Chris. Ouais, on doit aider Chris. Mais... Sérieux. Je crois que ça serait plus compliqué. Chris. 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 Oh boy. Une bombe. Ah non, c'était juste un mannequin. Qu'est-ce que c'est? Oh, génial. Oh, c'est foutu, terroriste. C'est un piège. Non, c'est du gaz. C'est pas le piège, ça sent le gaz. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Les terroristes qui... Ils font pas de l'élevage de monstres quand même. Ça m'étonnerait pas. Hello. Ah bah ça me ferait plaisir. Hein. Déjà ? Ah, ils sont courts les épisodes. Décision 83%. Mais merde. Ok, ok. Est-ce qu'on peut enchaîner ? Rang S, rang K. Ah ouais, 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 ouais. Wonderful. On va se regarder sur celle-ci. Formidable. Bon, merci de m'avoir suivi et un petit j'aime, ça fait plaisir. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-vous plaisir. Voilà, rendez-vous à l'épisode 3. Ciao, ciao.